En Ukraine, les travaux du Parlement sont toujours bloqués par des partisans de l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko. Cela fait maintenant 3 jours que ces députés de l'opposition protestent dans l'enceinte du Parlement. Ils dénoncent notamment les conditions d'incarcération de Yulia Tymoshenko, emprisonnée depuis août dernier. Ce député, membre du parti de Tymoshenko, justifie l'occupation de l'Assemblée. C'est pour alerter l'opinion sur le traitement infligé à la chef de l'opposition. Elle est emprisonnée de manière illégale, dit-il, et elle a été battue et maltraitée. Le président ukrainien Viktor Yanukovych a promis qu'une enquête serait menée concernant ces violences que Yulia Tymoshenko affirme avoir subies en prison. Reste que pour ce parlementaire de la majorité, toute cette agitation relève de la manœuvre politicienne de la part de députés qui, dit-il, cherchent à se faire bien voir de Tymoshenko pour être sur la liste de son parti. L'ex-égérie de la Révolution Orange fin 2004 a été condamnée à 7 ans de prison pour abus de pouvoir. Elle-même affirme être victime d'une vengeance personnelle de la part du président Yanukovych. Elle a entamé il y a quelques jours une grève de la faim. L'Union européenne notamment se dit profondément préoccupée par sa situation.